Peu avant 8 heures ce matin, les lycéens sont en place pour débuter l'épreuve de philosophie. Dernière consigne des professeurs avant l'arrivée des sujets. La fraude commise à l'occasion du baccalauréat entraîne pour l'intéressé la nullité de l'épreuve correspondante. Mais ça se passait très sereinement, puisque ils ont l'habitude, on leur a expliqué comment ça se passerait. La salle est petite là, et ils ont l'air très confiants. Puis il faut attendre, le calme règne et le stress monte. Un petit peu stressé, mais sinon ça va. On vous le donnera. Un petit peu stressé, oui. Il est 7h57 quand l'enveloppe mystérieuse fait enfin son entrée. Le temps des dernières formalités et c'est parti pour 4 heures. Nous retrouvons les bacheliers vers 11h ce matin devant les grilles. Ils sont déjà nombreux à donner leurs premières impressions. On revoit un peu les sujets, on partage nos avis. Tant qu'on sait réfléchir, ça va. Et parfois, les avis divergent, notamment sur cette question, vivons-nous pour être heureux? Enfin, moi je pensais que c'était oui, et là elle a répondu non au final. Ouais. Alors pourquoi non? Parce que pour moi c'est tout ce qui fait le parcours de notre vie avec tous les obstacles qui nous rendent heureux, mais c'est certainement pas la finalité. Moi je suis plus partie sur le désir, donc le désir d'être heureux, et du coup vu qu'on est le désir c'est l'essence même de l'homme, d'après Spinoza, donc voilà. Le bonheur semble avoir inspiré les bacheliers puisqu'ils sont nombreux à avoir disserté sur ce thème. Un choix par défaut pour certains ou une bonne pioche pour d'autres. C'est vrai, c'était vraiment intéressant, c'est un sujet qui me tient à cœur et du coup c'était vraiment bien. Je suis tombé sur un sujet que à peu près maîtrisé, maintenant ça passe ou ça casse selon le correcteur. Très intéressant déjà, et c'était une catastrophe aussi, donc c'était super dur. Mais pour ces élèves de filière scientifique, la philosophie reste une matière à petit coefficient. Demain, la pression risque de monter d'un cran avec la physique-chimie.